Shalom les amis, Boker Tov, depuis le Tzion de Rabbeinu, Marcha Ve'atzlacha, Refoua Shlema pour les malades, Bezat Hashem, la refoua du monde et la délivrance, Bezat Hashem, par les révélations du Tzadik, Bezat Hashem. Rabbi Nathan, une fois, il a parlé à quelqu'un, quelqu'un est venu le voir pour se plaindre du Yetzihara qui était fort, etc. Alors Rabbi Nathan, il lui a parlé de Yitzhak Avinu, il a parlé de Yitzhak, il l'a encouragé en disant « Regarde Yitzhak, qu'est-ce qu'il est devenu, etc. » Alors lui, il a dit à Rabbi Nathan, il dit « Mais qu'est-ce que je vais voir avec Yitzhak Avinu? Moi, je ne suis pas Yitzhak Avinu. » Alors Rabbi Nathan, il lui a dit « Qu'est-ce que tu crois que Yitzhak Avinu n'avait pas été Ara? S'il n'avait pas été Ara, comment il est devenu Yitzhak Avinu? Qu'est-ce que c'est Yitzhak Avinu? Il est devenu Yitzhak Avinu parce qu'il avait été Ara très grand. » Et il a lutté. C'est comme ça qu'il est venu Yitzhak Avinu. Alors, Bezrat Hashem, quand on voit qu'on est attaqué et tout, il n'y a pas une plus grande information sur la valeur de la grandeur de notre âme que les attaques qu'on a. Donc, il faut les interpréter en bien. Il faut dire justement, puisqu'on a attaqué, alors on va faire tout ce qu'on peut, Bezrat Hashem, par le sroud du tzadik, pour avancer. Une excellente journée, que des bonnes nouvelles. Hachem, il vous bénisse, que vous ayez tout le bien du monde, Bezrat Hachem, tout dans la joie.